toc. Chut! On toque à la porte. Qui est-ce? Au secours, c'est le loup! Ah bah oui, forcément, avec tout le vacarme que vous faites, je vous entends de loin. De très très loin, même, avec mes grandes oreilles pointues. Et qu'est-ce que tu fais quand tu entends trop de bruit dans tes grandes oreilles pointues, monsieur le loup? J'arrive, vite, vite, très vite, avec mes grandes pattes griffues. Et puis je fais toc toc toc. Et puis je fais... Et puis tu fais quoi, monsieur le loup? Et puis je fais croc croc croc. Oh là là! Mais tu fais beaucoup trop de bruit quand tu croques, vilain loup. Tu me fais peur avec tes grandes dents pointues. Et si, quand tu arrives, il n'y a que des petits chuchotements et pas de vacarme, ni de cavalcade dans les couloirs, ni de porte qui claque, ni de cris du matin au soir, tu fais quoi, monsieur le loup? Alors, je m'en vais tout doucement sur la pointe des pieds. Et puis, j'attends encore un peu pour être bien sûr que le vacarme ne recommence pas dès que j'ai le dos tourné. Et s'il n'y a plus du tout de vacarme et qu'on peut entendre une petite mouche voler? Bzz, bzz, bzz. Tu fais quoi, monsieur le loup? Je ne peux pas te le dire, c'est un secret. Tu veux que je te le dise quand même? Dans le creux de l'oreille? Oui, dis-le-moi, monsieur le loup. Alors voilà ce que je fais. J'ouvre tout doucement la porte, tout doucement, et... Et puis tu fais quoi, monsieur le loup?